Après plusieurs années d'aventure, Rémi est revenu chez Mère Barberin avec son ami Mathia. Rémi a préparé une surprise à sa bonne nourrice. Découvrons quelle est donc cette surprise. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Détendez-vous. Écoutez bien cette histoire. Essayez de bien comprendre après. Le retour de Rémi. Le matin, pardon, le moment était venu, le moment était venu, et l'étable à vache, dis-je, a-t-elle changé depuis que la pauvre Rossette est partie et vendue? Non, bien sûr, j'aimais mes fagots. Comme nous étions justement devant l'étable, Mère Barberin poussa la porte, notre vache qui avait faim et croyait qu'on lui apportait à manger se met à beugler. À meugler. Une vache dans l'étable, s'écria-t-elle. Alors, n'y tenant plus, Mathieu et moi nous éclatâmes de rire. C'est un fou rire. Mère Barberin le regardait bien étonnée et ne comprenait pas. Il ne comprenait rien. C'est une surprise. C'est une bonne surprise, dis-je. Une surprise que nous te faisons. Une surprise. Oui, une surprise. Je voulais te faire plaisir. Tu as été si bonne pour moi. Alors, en cherchant bien, j'ai pensé que tu aimerais avoir une vache pour remplacer Rossette qui a été malheureusement vendue. Nous avons acheté celle-là avec l'argent que nous avons gagné, Mathia et moi. Ah, les bons garçons, s'écria Mère Barbon. Nous entrâmes, c'est le même entrée, ou pas si simple. Nous entrâmes dans l'étable pour examiner la vache. Mère Barberin l'admirait. Quelle belle vache! Comme il meuglait, Mathieu dit, elle a besoin d'être traite. Je courais à la maison, chercher le seau en fer blanc. Quelle satisfaction pour Mère Barberin quand le seau fait plein aux trois quarts d'un beau lait mousseux. Quelle satisfaction pour Mère Barberin quand le seau fait plein aux trois quarts d'un bon lait mousseux. Je crois qu'elle donnera plus de lait que Rossette, dit-elle. Et quel bon lait, dit Mathia. Et sans la fleur d'oranger. C'est déjà que c'est un art. Adapté de Malo, sans famille. Édition Hachette. Les mots difficiles, il faut chercher dans un dictionnaire. Comme l'explication du mot s'écrier, on dit s'écria-t-elle, ce qu'on surprise. Celle-là, l'argent, examiner, satisfaction. Bon, le mot expliqué dans le texte, il y a recette, ça veut dire la vache que Mère Barberin avait dû vendre, beugler ou pousser des beuglements. Mot qui désigne les cris du bœuf et de la vache, n'y tenant plus, nous ne pouvons plus nous retenir, meugler ou beugler, c'est la même chose ici, c'est des bouglements, aussi des cris, comme ça, du bœuf ou de la vache, traire ou traite, c'est tirer le lait d'une vache. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que ces deux histoires, le retour de Rémi et Rémi a quitté la maison, vous plaisent tous les deux. On va vous raconter une nouvelle histoire. Et c'est là, j'espère que vous allez bien. Et j'espère aussi vous retrouver en bonne santé. Et n'hésitez pas à voir les vidéos. À chaque moment que vous
À chaque moment qu'elle sera disponible, pourquoi pas? À très bientôt.